ça, hein. Quand j'ai décidé de me lancer, j'étais célibataire. Donc c'était facile. Je n'avais aucune attache. Quand tu es en ville, tu les laves tout le temps et tu leur laisses pas le temps de respirer. Katie ressemble beaucoup moins à la jeune fille bourgeoise qui a quitté ses parents il y a 2 mois. Quel bonheur! Tout seul dans les bois, presque. On ne dirait pas, mais ça montre. En tout cas, en camping-car, quand on est seul comme moi, c'est quand même super, une petite trottinette électrique et scooter avec une autonomie de 30 km. On dirait qu'il y a un char léopard qui est passé par ici. C'est joli, mais il y a toujours un trou de balle ou l'autre qui laisse traîner ses crasses. Hein. Il fait un peu ensoleillé. On se croirait légèrement tout seul au monde ici. J'adore. C'est le seul endroit où il fait relativement frais. Dans les bois, un peu en altitude. Parce que la chaleur en vanne, un peu, ça va, mais j'ai un petit projet. J'ai bien envie l'an prochain de faire un voyage en Indonésie, genre Singapour. Ça ne me tentait pas du tout, et finalement je me rends compte que ça a l'air franchement bien. Puis c'est original comme destination, hein. Je vais redescendre un peu. Évitons la sève. Seul truc qui m'ennuie dans les bois, c'est les tiques. Et je suis pas le seul. J'ai envie de retourner à la mer. L'an dernier, je me faisais la même réflexion. Quand je suis à la montagne, j'ai envie de mer. Quand je suis à la mer, j'ai envie de montagne. Je crois que ce que j'aime, c'est le road trip. J'ai difficile de rester plus de 2 jours au même endroit.